En fait, ma première guitare Ovation, c'était une Custom Baladeur que j'ai achetée en 82, 1982. Et en fait, c'est vrai qu'à cette période, j'étais fan de plein de guitaristes, que ce soit Larry Coryell, Aldi Meola, John McLaughlin. Et toute cette scène-là, en fait, les gens jouaient beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Ovation. Et donc, j'étais un jour chez un copain à moi qui m'a fait découvrir Aldi Meola, Mediterranean Sundance. Et j'ai craqué évidemment sur le jeu, ça, tout le monde sait que ça a été une influence pour moi, mais aussi sur l'instrument, la sonorité. Et donc j'ai économisé, je me suis acheté ma première Ovation donc en 1982. D'accord, et qu'est-ce qui t'a rendu amoureux de la marque? Qu'est-ce qui a fait que tu as continué à jouer sur Ovation? Après j'ai découvert les spécificités de l'instrument, c'est-à-dire que avant je jouais pas du tout de guitare acoustique, donc j'avais une Ibanez que mon frère m'avait achetée, mais j'avais pas vraiment de jeu acoustique, j'avais pas travaillé là-dessus. Et donc en jouant j'ai commencé à découvrir ce qu'il y avait d'intéressant. La première chose c'est un diapason court, les Ovations, donc ce qui fait qu'à tirant identique tu as une certaine souplesse de jeu. Tu as un chevalet par exemple où il n'y a pas de cheville, contrairement à la plupart des guitares folk. Donc, ce qui veut dire que pour la paume, ouais, pour changer des cordes, tu gagnes un temps fou, parce que si on te serre là, ça se tend là, tu as la cheville qui ressort, tu l'appuies. Bon, c'est un peu chiant, et puis c'est vrai que c'est très ergonomique pour la main droite. Ensuite, la distance entre les cordes, tu t'aperçois, moi je joue beaucoup au médiator, que la distance est légèrement plus près que pas mal de guitares acoustiques. Alors c'est pas comme une électrique, mais tu as moins de distance à parcourir. Et puis évidemment, il y a la caisse quoi, qui te donne du grave, qui te donne, malgré que ça ne soit pas une caisse énorme, tu as quand même, tu as donc ce confort. Alors il y a des gens que ça peut déranger, la rondeur, ça demande une position spécifique, mais une fois que tu as adopté la bonne position, ça ne te coupe pas au niveau des côtes. Enfin, moi, je trouve ça vraiment confortable. Et puis il y a ce grave qui est agréable, et tu as un manche quasiment d'électrique, donc c'est vraiment un instrument que je trouve particulier et qui est unique en fait. Tu sais comme moi qu'il y a beaucoup de marques de guitare acoustique, il n'y a pas qu'Ovation. Par contre, dans le domaine, il n'y a qu'une marque, c'est quoi, si tu veux ça, il n'y a que ça. Ouais. Tu vois, tu peux pas te dire tel ou tel, ah, je préfère ça. Là, c'est très particulier, il y a des gens qui n'aiment pas, mais ceux qui aiment, ils aiment que ça et il n'y a rien d'autre d'équivalent. Mm-hmm. Donc c'est suffisamment rare pour être souligné, il n'y a pas tant d'instruments uniques en fait. Ouais, Charles Kaman était quelqu'un d'unique. Quelqu'un d'unique, le parcours, oui. Ouais, le parcours sûr, en tant qu'ingénieur dans l'aéronautique, oui, et comment il a personnage, et puis rapporté vers cette marque de guitare, en fait, toute sa connaissance en termes de transmission vibratoire, oui, etc. Oui. C'était très intéressant. La caisse ronde qui ramène un son particulier. Une projection aussi. Une projection, ouais. Tout à fait. Ouais. Centralisée. Et c'est vrai que bon, la scène jazz-rock fusion de ces années-là, en fait, où j'ai commencé à découvrir cet instrument, c'était quasiment qu'Ovation, que tu voyais aussi bien en nylon qu'en corde acier. Quoi. Les premiers inventeurs du piezo, donc du coup, tu pouvais être libre sur scène, tu n'avais plus oui, besoin d'un oui, micro devant la rosace. Exactement. Donc ça a intéressé évidemment beaucoup d'artistes. Et dis-moi, du coup, t'as intégré cette guitare dans ton setup actuel comment? J'ai plusieurs Ovations, j'en ai une autre que j'ai depuis 1986 avec laquelle j'ai enregistré quasiment toutes les pièces acoustiques de mes albums. Alors moi en studio je me sers quasiment exclusivement de micro, j'aime bien, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien avoir du DI, moi je trouve ça bien pour le live, mais dans le studio je suis un gros fan des micros, j'adore le son acoustique d'Ovation, c'est vrai que les gens les pensent souvent comme des électros uniquement, mais moi j'aime bien le son qui sort de la guitare, donc j'aime bien en studio les micros. Donc j'ai une Legend Cutaway de 1986, et là, ma dernière guitare, donc c'est une Custom Legend US qui est très récente en fait. Et après j'ai un setup assez simple, en fait j'ai deux préamplis, j'ai un VIP5 avec des images, en fait, des modélisations de prise micro et un OP Pro. Et je switch un peu entre les deux suivant le matériel, la sono sur lequel je suis, l'ampli, etc. Donc je teste un peu les deux. Et des fois j'ai un pédalier, j'ai un pédalier avec un préampli Fishman aussi que j'utilise des fois ou des fois pas. Ça dépend, pareil, ça dépend du son. Un petit compresseur, une reverb Big Sky, en fait c'est assez simple. C'est vrai que c'est un instrument exigeant, c'est un instrument qui est très précis et en fait ça demande beaucoup de ressources physiques pour jouer ça. C'est pas, t'es un peu tout nu quoi, quand tu joues sur une acoustique, une électroacoustique. C'est un instrument particulier et qui demande une vraie discipline. Mm-hmm. Donc du coup tu bois pas, tu fumes pas, tu te drogues pas, c'est ça? Non. Je vais peut-être m'y mettre à force. Parce qu'en fait c'est ça l'idée, tu vois. C'est, les gens ils commencent à boire jeune puis après ils se disent faut que j'arrête. Et ils vivent dans la frustration jusqu'à la fin de leur jour. Moi, je fais le contraire. J'étais sob tout le temps, et là, je vais commencer à me défoncer la gueule, parce qu'à l'âge que j'ai, globalement, c'est trop tard pour développer un truc. Toi, la cirrhose, je serais mort depuis longtemps. Bon, coupé. Merci.